Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aller déchaumer. Donc avec le nouveau déchaumeur, on va passer le deuxième coup de déchaumage derrière des blés. Donc juste avant, je vais passer un petit coup de soufflette dans la cabine parce qu'on aime bien travailler dans un environnement propre. Puis là, il y a un peu de poussière. Je vais rincer un peu les carreaux à l'arrière parce qu'ils sont pas très propres. Et puis, bah, on va être parti. Donc je vais passer un petit coup de soufflette et je vous reprends juste après. Je tiens à préciser que l'eau, c'est l'eau du puits. J'utilise ce robinet là et celui là avec les traits bleus, c'est l'eau de la ville. Et là, pour faire ça, l'eau du puits, ça suffit. Bien, donc on est parti. Alors, il y a quelques minutes de route. Donc, on n'oublie pas les gyrophares, les codes. Et on est parti. Alors, je vais aussi allumer la tablette de l'autoguidage, comme ça quand on va arriver à la parcelle, elle sera déjà prête. De personne, on est parti. Je sais pas si vous me voyez bien. Alors par rapport au problème que j'avais eu avec ce tracteur, le 6480, donc des pertes de puissance. Depuis, on avait changé les filtres à gasoil et on n'a pas eu le problème. Alors que pourtant, les filtres sont censés être propres puisqu'on a déjà un filtre sur la pompe, nous. Mais bon, peut-être qu'il y a eu quand même un encrassement. J'ai quelqu'un derrière moi, on va passer le bedon et puis on va le laisser passer. Quand il y a de la place, on laisse passer les gens. Ça coûte juste quelques secondes. Ça va, il n'y a pas trop de monde parce que c'est la route du zoo de Beauval. D'habitude, elle est toujours pleine. On en profite d'avoir un petit peu le temps. Pas oublier que l'outil est assez large derrière. Aussi, c'est que on a changé l'huile de la boîte et du pont arrière, donc avec les filtres. On a fait ça avant-hier, c'est papy qui s'en est occupé surtout. Parce que on pense que ça avait jamais été fait, ça doit être fait tous les 1200 heures. Moi, je vous cache pas que c'est un peu galère quand même à faire, vaut mieux être plusieurs. Et puis faut emporter la référence du tracteur quand on va chercher les filtres parce qu'il y a eu plusieurs montages et du coup il y a certains tracteurs qui n'ont pas les mêmes filtres et nous même avec le numéro de châssis etc, on ne nous avait même pas donné les bons filtres parce qu'en fait sur la même année il y a eu deux montages différents. Enfin bon, c'est comme ça, faut juste le savoir. Donc là on va juste aller descendre parce qu'il faut défaire, il y a une sécurité qui permet d'empêcher les deux parties de se rouvrir sur la route en cas de déperdition de pression. Voilà, je vais baisser un peu comme ça, c'est plus facile.
et je vous emmène. Voilà, donc là il y a cet axe en fait qui empêche le carré qui est relié à au demi déchaumeur. Et là pareil. Là, pour que l'autoguidage fonctionne, il faut que je mette un partage de connexion. Alors, tac, on va mettre le partage de connexion. J'ai oublié de prendre mon câble de chargement. J'espère que j'aurai assez de batterie. Donc ici, on se met sur le partage de connexion. iPhone de Léo, tac. Pendant ce temps-là, on relève derrière et puis on peut déplier. Si on voit bien. Voilà, donc ça c'est fait. Il est sur mon partage. Donc là c'est l'écran du GPS, alors j'aurais dû l'allumer plus tôt. En fait je pensais l'avoir fait en partant mais finalement non. Donc j'accepte les conditions. Et je crois que cette parcelle n'a pas été encore enregistrée avec donc ce GPS. Je vais voir, on va géolocaliser et puis on verra. Peut-être que si. Si c'est bon. Donc là, pour détecter le sens d'avancement, il demande d'avancer à 1,5 km, enfin minimum 1,5 km/h, avancer un peu quoi. Donc là vous voyez, alors il y a eu les anciennes passes. Donc c'est pas tout à fait fini puisque des fois on oublie d'activer le marquage. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cet ancien marquage. Tac, ici, effacer la zone appliquée. Voilà. Comme ça, j'ai plus la peinture et je sais où je vais passer. Bon, même si on le voit à l'œil nu. Mais c'est satisfaisant de voir le champ se dessiner. Donc là, je charge ma ligne. Alors, ça doit pas être celle-là. Ça doit être celle-ci. Voilà. Elles ont pas de nom, mais enfin, bon, c'est pas grave, on pourrait le faire. Mais en fin de compte, je vais faire une passe dans la chinte. Et puis, donc là, je vais me raligner derrière. Je vais juste mettre les quatre roues motrices. Je vais m'aligner derrière, je vais faire ça un peu comme un cochon, mais c'est pas grave. Je baisse l'outil. Et on est parti. Donc là, c'est quoi le but du déchaumage? Le but de déchaumer maintenant. Donc là, sachant qu'il y a eu un passage de cover crop juste après la moisson, il y en a eu un courant le mois de juillet. Et donc là, on a laissé se faire depuis. Ça a permis aux mauvaises herbes, on dit pas mauvaises herbes, on dit adventices d'ailleurs, donc ça a permis qu'elles se développent. Et en se développant, eh bien, elles vont germer, elles vont pousser sans faire de graines puisqu'on va les détruire avant ça. Bon, là, ouais, à peu près. Donc là, j'ai recentré ma ligne par rapport à là où je suis puisque depuis l'autre fois, c'était papa qui s'en était servi. Bah, peut-être que alors soit la correction a bougé, ce qui est possible, soit il n'était pas tout à fait ici et puis il s'était mis à droite et puis il avait repassé un coup dans l'autre sens pour faire la rive. C'est possible aussi, donc là on va essayer comme ça et puis on verra.
Regarde, donc là je viens de faire un aller-retour. Vous voyez ce que ça donne quand l'outil est posé en position de travail. Donc là je vais faire un aller-retour le long là. Et en fait donc la parcelle elle fait elle va jusque là-bas et elle fait ça. Puis elle longe la route là-bas, un peu plus que jusqu'au maïs, là où la partie que je vous ai dit qu'on avait reprise il y a quelques années. Là, c'est les maïs du voisin qui sont irrigués. Peut-être pas dans cette partie là par contre. Et là, nous on a des milliers ici. Des milliers qui sont pas trop moches, mais ça pourrait être mieux, il y a un peu d'herbe quand même. Et puis donc là c'est une parcelle et il y en a une autre là-bas le long du bois. Donc ici on peut pas y faire de tournesol comme on a fait ailleurs puisque bah on est au bord des bois et il y a énormément de gibier qui est de passage. Donc il y a aussi des sangliers. Des sangliers, des chevreuils, etc. Tout ça qui pourrait bien nous manger les têtes de tournesol. Et puis même quand ils sont petits, les petits pieds de tournesol, les sangliers adorent ça. Et donc la seule option c'était d'y faire un peu de millet. Bon, ça, on pètera pas les scores en rendement hein, mais ils sont quand même pas trop moches. Là vous voyez. Ah, il y a un peu d'herbe, hein, on en voit qui dépasse. Ça c'est pareil, c'est problématique de désherbage d'aujourd'hui. Faut plus labourer, ce qui est compréhensible, mais faut plus mettre de désherbant non plus, donc bon. À voir. Donc voilà, des milliers qui vont être récoltés dans un petit mois. Après la vendange sûrement. Donc voilà pour cette petite parcelle. Les milliers, ils ont été semés au printemps. Et donc c'est une plante qui pousse assez vite. Et là, ils sont assez hauts. Faut pas qu'ils deviennent trop hauts non plus parce qu'ils ont pas mal de poids en haut là. Ça, c'est les graines qu'on va récolter. Les graines qui partiront soit pour l'alimentation des oiseaux dans des parcs, etc. Ou alors dans l'alimentation humaine. Et donc ça leur fait pas mal de poids sur le haut, donc faut pas que les tiges soient trop grandes, sinon ça peut basculer. Je vous montre vite fait le travail que ça fait. Parce que je parle beaucoup, j'avance pas. Voilà le boulot que ça fait. Alors là, c'est pas très représentatif puisqu'on est dans la chinte en bas. Donc, vous voyez, donc le rouleau, les disques sont passés là. Et vous voyez qu'il y a quand même encore un peu de frais hein, dans la terre. Parce que nous on a eu la chance d'avoir de l'eau au bon moment sur juillet et août. En fait on n'a jamais été vraiment en sécheresse par ici. On a eu suffisamment d'eau en juillet et puis là on a eu une vingtaine de millimètres il y a une ou deux semaines. Et donc voilà. Vous pouvez voir qu'il reste encore des toutes petites mottes mais qui sont super friables. Ah, qui se cassent toutes seules. Et puis de toute façon, on aura le temps de les recasser. Voilà ce que ça fait. Comparé à ce qu'il y avait avant, donc, par rapport au boulot du cover crop, qui lui fait des très grosses mottes. Alors, bon, forcément, j'ai pas de grosses mottes à vous montrer, mais voilà ce que ça fait le cover crop. Jusque là, on n'aura pas ce souci là. Et puis le cover crop, alors c'est beaucoup plus visible en haut, mais on a vraiment des buts. Au niveau des réglages, j'ai pas retouché ce qui était. Qu'on travaille, sur un 5 cm. Donc voilà, et puis on a toujours pas rebaissé le peigne, mais en fait, il n'y en a même pas besoin, donc on l'a pas fait. Mais il faudra qu'on le fasse de toute façon. Je sais même pas s'il peut descendre assez bas pour qu'on arrive à lisser le sol en fait. Le but c'est pas non plus que ça rentre. Hein. Bien, j'arrive au bout de la parcelle. Donc, ça aurait été assez vite. Puis un peu plus de 7 hectares je crois au total. Donc j'aurais fait ça en un peu plus de 4 heures. Ça va, c'est correct.
Et puis je vais vous montrer quelque chose que j'ai ramassé aussi sur le bord de la route, qui est pas très plaisant. Alors voilà, tac, on va replier. De la parcelle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, là je vais baisser juste l'avant et comme ça je pourrais attacher les deux tiges, je pourrais les mettre en étant que de ce côté là. Vous allez comprendre. Parce que là en fait c'est trop haut pour moi. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus bas. Et si on descend, et là c'est à ma hauteur. Comme ça, sans faire le tour, je peux faire les deux. Voilà, petite astuce si vous avez le même. Bon, je pense que vous l'avez déjà l'astuce, mais bon. Et là, alors j'avais juste mis ça au bout du champ pour pas l'avoir dans les pattes pendant que je roulais. Regardez, la petite bâche. Et puis là, il y a un carton. Alors c'est un carton que j'ai récupéré, il était vide. Hein. Et puis j'ai fait 15 mètres le long de la route là-bas, là où il y a les voitures. Et j'ai trouvé une bouteille, un sac de, un emballage de plusieurs bouteilles d'eau, un papier bulle, on ne sait pas pourquoi. Enfin bon, tout ça au bout du champ. J'ai même pas tout ramassé parce que j'ai ramassé que ce que j'ai vu. Et bah franchement c'est plutôt dégueulasse. Il y a beaucoup de, encore beaucoup de gens qui jettent des trucs par la fenêtre. Donc je disais, il y a encore beaucoup de gens qui jettent des trucs par la fenêtre. Alors quand on parle que l'agriculture ça pollue, bah peut-être que des fois il faudrait déjà arrêter. Des fois on dit que l'agriculture pollue, mais à mon avis on n'est pas les seuls. Ça pollue effectivement, mais il y a une raison, il y a une cause. Hein, c'est de nourrir la population. Et bon, quand on voit ça, on se dit que on n'a pas tous les mêmes problèmes apparemment. Parce que là, j'aurais pu en ramasser 4, 5, 6 cartons complets si j'avais voulu. J'ai pas tout ramassé parce que déjà c'est au bord de la route, c'est assez dangereux. Et puis bah j'ai pas de sac poubelle pour tout mettre. Là je l'ai fait parce que bon, il y avait un carton, c'était, j'allais dire que ça tombait bien, mais non, il y aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de carton et qu'il n'y ait rien à ramasser. Là c'est encore rebelote la route, très passante la route départementale. Ça va pas le faire. On est obligé d'aller assez vite pour sortir de ce champ parce que la route étant très passante, sinon on passe jamais en fait. Bien, donc là je ferme la vanne, comme ça c'est évite que le vérin redescende pendant que le véhicule est à l'arrêt. Sinon ces disques là en fait ils touchent par terre et ça vient le tordre, c'est pas cool. Donc voilà, tandis que ce vérin là on peut le poser sans que ça pose devant. Donc j'espère que vous aurez bien aimé la vidéo. Bon, il n'y a pas eu de drone finalement puisque j'avais pas assez de batterie pour en faire. Donc voilà, si vous avez aimé, mettez un petit like, commentez si vous avez quelque chose à dire. Je réponds à tous les commentaires, ou presque, ça dépend lesquels. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Allez, salut !